Bienvenue à toutes et à tous pour cette 15e édition des Trophées MAS ici au salon Équipe Hôtel à Paris. Chacun a dû faire trois amuse-bouches. L'un foie gras et végétal, l'autre foie gras avec un peu de farine de riz. Enfin, il y avait des thèmes totalement imposés pour chacun. Alors Gilles, tu seras notre fil rouge cet après-midi, le grand gagnant de cette 14e édition. Et on va suivre Gilles débuter sa recette. Je te laisse nous expliquer tout ça. On va réaliser un fond de pigeon. Les suprêmes, on va les mettre à mariner dans de l'alcool. On va servir ça avec un petit rouleau de céleri et trompette de la mort. Avance tranquillement, tu me fais une petite assiette pour moi, hein, t'oublies pas. Qu'on peut avoir aussi sur l'envoi des assiettes, et on est timé, on est serré, et on veut surtout impressionner les chefs qui dégustent derrière. Oui, de toute façon c'est un gros facteur, la pression. Il y avait des choses qui étaient des plats très 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 intéressants, et aujourd'hui dans la continuité de la maison MAS qui aime beaucoup la qualité des produits, et je trouve vraiment c'est extraordinaire de participer à ce trophée là, et j'ai hâte à savoir c'est qui le jeune ou la jeune qui va gagner ce trophée. On a passé un super moment, on a vraiment vu des plats assez exceptionnels. C'est pas facile de noter finalement, parce qu'il y a les cuisiniers qui travaillent pour le concours, puis il y a les gens qui notent, pour prendre ça à la légère. J'espère que celui qui m'a le plus enthousiasmé sera le gagnant. Le concours, je trouve que c'est un très bel concours. On a beaucoup de travail à faire en 4 heures. Mais le foie gras, c'est un produit très noble. Donc je trouve le concours, c'est magnifique. Il faut être bien organisé, il faut faire des essais. Et il faut juste continuer à pousser tout le temps. Comme s'il y a quelqu'un derrière vous, tout le temps. Très ravi d'avoir participé à ce concours. Il y a eu quelques petits couacs dans la préparation. Ça a été sorti nickel, bien carré. C'est le principal, et puis je suis content d'avoir participé surtout. Super. C'est un bon concours, j'ai bien aimé participer. J'ai géré pendant la préparation, mais c'est vrai que la fin, j'ai vu que je pouvais pas envoyer, que ça ne faisait pas comme je voulais. C'est stressant et c'est frustrant. C'était très intéressant de voir combien une petite consigne peut donner une grande variété d'interprétations. C'est super. Je remercie en tout cas la Maison MAS qui a organisé ce super concours avec de tels produits, des foie gras d'une qualité incroyable, la générosité de son personnel,